J'espère que vous allez bien. Moi, je vais un tout petit peu mieux. J'essaie vraiment de remonter la pente et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire une vidéo de prévention pour pas qu'il vous arrive ce qui m'est arrivé à moi. Le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est sérieusement boycotter PayPal. Genre vraiment, si tu sais que tu as 1€ que tu as laissé là-bas, va tout de suite récupérer ton argent. C'est vraiment à bannir PayPal. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais tout ce qu'il y a à retenir dans cette histoire, c'est que depuis le 28 janvier, quand j'ai fêté mon anniversaire, genre en fait, l'un de mes proches m'a volé 8100€. 8100€, c'est-à-dire 5 millions et quelques de francs CFA. C'était une transaction où je n'ai même pas eu d'alerte, dans le sens où la personne laissait envoyer l'argent et je n'ai pas eu de mail, pas eu de message, pas eu de... Vous voyez les petites alertes qu'ils envoient en mode oui, il y a une transaction en cours qui est en train de se faire. J'ai absolument rien eu. Quand j'ai téléchargé PayPal et que j'ai décidé de mettre de l'argent là-bas il y a un an de cela, bah en fait, j'avais tout souscrit. J'ai pris les assurances au cas de vol, j'ai tout pris. Vraiment, tout était carré. Dans ma tête, c'était impossible qu'il m'arrive un truc comme ça. Je vous décris un peu ma situation. Je suis étudiante, là c'est ma deuxième année de BTS en alternance, c'est-à-dire que je gagne des petits 600€ par mois. Et entre-temps, j'ai réussi à remonter la pente avec les réseaux, ça m'a énormément aidée. Ça fait depuis le 5 février 2024 que je suis H24 au téléphone, je les harcèle, j'appelle tout le temps PayPal, genre le service clientèle, je dis mais c'est comment? J'ai expliqué ma situation, minimum fait exprès d'être intéressée un tout petit peu, genre. Chaque fois, en fait, ça se voit qu'ils en ont rien à foutre. Ils m'envoient balader. Il ne me donne même pas de bonne suite. Imagine, t'es étudiante, l'argent que tu réussis à te faire en un an, on te le prend comme ça, fiou. Zéro remboursement, zéro quoi que ce soit. Je suis passée dans une phase de dépression, je ne vous mens pas, j'allais pas du tout, mais du tout bien. Je rentrais chez moi, je pleurais tous les jours. Même carrément, je suis en train de parler, les larmes sont en train de monter tellement ça m'a atteint de ouf. Même au boulot, genre ils avaient remarqué que j'étais pas bien, j'étais plus attachée en mode ouais salut salut et tout. Je pleurais tous les jours, imagine t'as 8000€ qui disparaît. Mon patron il s'est fait passer pour mon père, il a appelé PayPal, il a dit mais en fait c'est comment? Pourquoi vous la laissez comme ça en fait? Je suis passée par toutes les faces, je vous jure que ça m'a saoulée. Je suis allée à la police, on est parti porter plainte. Monsieur Dash m'a accompagnée, on a patienté pendant 5 heures pour qu'on puisse prendre ma déposition. On est jusqu'à là, on est à quoi? On est au mois de mai. J'ai toujours pas de réponse. Je suis tout le temps en appel avec PayPal et je fais des enregistrements à chaque fois parce qu'en fait, on a décidé d'enregistrer nos conversations et moi, je préfère avoir aussi des conversations de mon côté. Pour pas que demain, ça soit non et tout. Non, non, je préfère prendre mes appuis. Madame, franchement, PayPal, c'est n'importe quoi. C'est n'importe... Ah, j'ai fait mon maximum, j'ai fait mon maximum. Ils font rien du tout. Ne laissez jamais votre argent sur PayPal. Boycottez, ne laissez pas 1€. Ils vont jamais faire quelque chose, la vérité. Cette vidéo, au jour d'aujourd'hui, c'est pas pour inciter les gens à la haine, mais c'est à titre de prévention, pour pas qu'il vous arrive ce que moi aussi m'est arrivé. Dans le week-end du 27 au 28 janvier, j'ai décidé d'organiser une fête d'anniversaire pour mes 20 ans. Donc j'ai invité que des personnes de confiance. Pour moi, je me disais que jamais de la vie il m'arrivait un truc de ouf et tout. Faut que je vous explique comment ça a commencé pour que vous puissiez bien comprendre. Donc 2 jours avant la fête de mon anniversaire, j'étais avec une copine, on était posé dans sa voiture. Et vous voyez, on était un peu dans l'engouement. Oui, passe-moi ton téléphone et tout, je vais faire des snaps et tout ça, je vais faire des TikTok avec toi et tout. Vu que j'étais juste à côté d'elle, je ne voyais pas le mal dans tout ça. À un moment, il y a une personne qui m'a parlé à travers la vitre, c'est-à-dire que moi j'étais comprise entre deux personnes. T'avais elle qui disait t'as combien sur ton PayPal, mais sauf que moi je calculais pas, je disais vas-y attends. Genre je parlais à une autre personne. Donc moi j'étais comme ça, je parlais avec la personne dans la vitre, à un moment elle a attiré mon attention, c'est-à-dire que moi quand je me suis retournée, c'était directement mon téléphone qui était juste devant, et en fait ça a mis ma Face ID. Mais à ce moment-là, j'avais pas compris qu'elle était sur PayPal moi, parce que moi j'étais trop dans la conversation avec l'autre personne. Quand elle a vu combien j'avais sur mon PayPal, tellement elle était choquée, elle a appelé sa mère. Dieu m'entend parler, elle a appelé sa mère. À partir de ce moment, j'aurais dû me dire d'acheter fait Belek, parce qu'il y a pas beaucoup même ma mère, elle ne savait même pas que je gardais autant d'argent sur mon PayPal. Le jour de mon anniversaire arrive du coup, mais à la base des bases, c'était mes cousines qui avaient mon téléphone pour pouvoir filmer mon entrée, pour pouvoir filmer le gâteau. Moi, c'est à elles que j'ai donné mon téléphone. Et il y a mes cousines qui sont venues quelques jours plus tard qui m'ont dit, par contre, Dashi, ta copine, on la sent pas, genre chelou, parce qu'on avait ton téléphone, elle a pris ton tel et tout pour filmer avec. Et vu que moi, je suis sur les réseaux, c'est-à-dire que moi, à la base des bases, je devais faire un vlog. Donc t'as tous mes proches qui savaient que moi je suis sur les réseaux, ils font des vidéos de tout et n'importe quoi. Et il y a des vidéos où carrément on la voit dans une chambre, elle est au loin comme ça, elle est sur mon téléphone, elle écoute des audios. Je ne sais pas en fait, qu'est-ce que tu faisais ma belle? Quand on m'a montré les vidéos après mon anniversaire, après tout ça, j'ai vraiment dit yo. Mais elle faisait quoi?
On dirait mon téléphone, ça lui appartient. Genre, ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Oui, c'est comment? À la soirée, à un moment, j'étais tellement KO. Monsieur Dash, en fait, il a demandé à deux de mes copines de me faire monter dans une des chambres et tout pour pouvoir m'enlever ma robe et me démaquiller et me mettre mon pyjama pendant que lui, il surveillait toutes les personnes qui étaient en bas parce que mes potos, ils étaient un peu pompélopes. Ils voulaient pas qu'ils cassent tout ça pour la caution. Donc lui, il surveillait tout. Pour se connecter à mon PayPal à la base des bases, il faut ma Face ID. Mais vous connaissez le système de quand tu mets la Face ID une fois, deux fois, trois fois, que ça ne fonctionne pas, ça te demande de mettre le mot de passe de ton téléphone portable. Vu qu'elle avait le mot de passe de mon téléphone, parce que clairement, genre le jour de ma soirée et même quelques jours avant, vous voyez les petits délires en mode je suis occupée et tout, je fais un truc, il y a une copine qui me demande mon mot de passe par exemple si elle veut faire une vidéo et tout ça, moi naïvement je lui ai donné mon mot de passe à l'oral comme ça une fois genre. Les virements ont été faits à ce moment précis, quand j'étais dans le lit, j'étais inconsciente, je dormais, c'est là où la personne elle a fait et ça a été fait avec un virement immédiat, c'est-à-dire que la personne elle a payé 10 frais de frais d'envoi et la personne elle avait mon téléphone actuellement et c'est le moment où elle a fait la vidéo pour me filmer. Mais cette vidéo là, et je vous jure, ça me fout la haine. Genre, vraiment, quand j'y pense, je me dis putain, je me suis vraiment fait berner bêtement. Que cette histoire, j'ai gardé mon calme pendant 4 mois entiers. J'ai laissé 4 mois à cette personne de pouvoir venir s'expliquer en privé avec moi. Cette personne n'a rien fait. J'ai fermé ma bouche, je suis allée porter plainte. J'ai fait tout. Comme on est en France, ça n'avance pas. J'ai tout fait, hein, je vous jure, j'ai tout fait, mais ça n'avance pas. Aujourd'hui, cette personne, carrément, elle me force à venir ouvrir ma bouche sur les réseaux parce que ça, c'est le plus gros manque de respect que j'ai vu de toute ma vie entière. Je vous jure, je suis en train de pleurer, c'est une dinguerie. Dans cette histoire, j'ai perdu 8000 euros. 8100 euros que j'ai travaillé à la sueur de mon front. La personne, elle m'a volé de l'argent, c'était clairement de l'abus de confiance. J'étais dans le lit, j'étais inconsciente, je dormais à point fermé. Je pouvais même pas me rendre compte que la personne était en train de faire les virements pendant que je dormais. Je suis restée calme pendant combien de temps? J'ai laissé 4 mois se sont écroulés. J'ai dit Dashi, laisse-la le temps, le bénéfice du doute, elle va venir t'écrire en privé pour pouvoir s'expliquer, pour voir, je sais pas. Quand je dormais dans le lit, j'étais inconsciente et je voulais raconter dans l'autre story time. Et aujourd'hui, dans mes commentaires, vous avez identifié un compte. Et comme par hasard, aujourd'hui, la personne, au lieu de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, de réfléchir intelligemment, se dire, putain, j'ai pas volé l'argent. Si je fais des vidéos bêtes comme ça, ça, c'est me mettre dans la sauce inutilement. Si tu es une personne logique, ta copine, aujourd'hui, elle t'accuse d'avoir volé son argent. Si tu n'as réellement pas volé son argent, pourquoi tu vas faire des vidéos où tu t'amuses sur le fait? Ça, c'est trop grave. Tu vas t'amuser à faire une vidéo où tu vas imiter ce qui s'est passé, j'étais inconsciente. On est en France, j'ai porté plainte depuis je sais pas combien de temps, ça n'avance même pas. Vraie personne qui n'a pas volé de l'argent ne pourra jamais faire ce genre de vidéo. Le culot de lever ses épaules et de faire des vidéos comme ça et Dashi doit rester calme toute sa vie. Dashi doit rester... Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je me suis dit dans cette histoire, Dashi, essaie de réfléchir intelligemment. Ne mets pas de nom, ne mets pas d'adresse, ne mets pas ne mets pas les informations, ne va pas chez elle. Mais là, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, Seigneur, aujourd'hui, les victimes sont les personnes qui prennent tout dans la gueule. C'est juste dégueulasse d'avoir des comportements comme ça. Je vous jure qu'un jour, non. Comme on cherche ma bouche, je vais tellement parler, je vais dégainer tout. Oh non, attendez. Oh, debout là! Pardon, je te demande pardon, c'est bon. T'es déjà à plus de, allez, 3 millions, 2 millions 5 000, 1 million 100 000. Dashi, t'es déjà à plus de 5 000 euros. T'as perdu 8 000. Refais une vidéo, t'inquiète, t'es à 10 000. C'est bon, ça sert à rien de pleurer et tout, c'est bon, wesh. C'est bon, moi, t'as gagné, wesh. C'est bon, t'as gagné, je te demande pardon, on te demande pardon. On te demande pardon, vraiment, sincèrement. T'es déjà à plus de 5 000, c'est bon, t'inquiète. Le 28 janvier, quand j'ai fêté mon anniversaire, genre en fait, l'un de mes proches m'a volé 8100 euros. Attends. 8000 euros? 8000? Attends, peut-être j'ai mal compris. T'as volé 8000 euros et toi t'es encore assise à faire des TikTok? Mais va chercher ton argent. Moi, tu me voles 100 euros, je suis déjà devant ta porte. Non, t'as volé 8K et t'as pas une arme pour aller flinguer la personne là? 8 balles? Non mais 8000 euros, c'est 4 mois de charbon intensif avec la sueur de ton front. Mais t'attends quoi? S'il y a personne pour t'aider à récupérer, moi je suis là, appelle-moi. Je vais t'aider à aller chercher l'argent. Je prends 1000 euros. Non mais comment le monde il peut être méchant comme ça? Toi t'es mon pote et tout? Tu me voles 8000 euros? Mais je vais te tuer. Non, en tout cas, grosse force à toi. Moi ça serait moi, j'aurais même pas fait des TikTok. Hein. Je serais allé chez la personne directe. Je l'ai enculé. C'est pour ça même à vos potes, faut pas donner votre téléphone, les gars. C'est pour ça. Après, vous vous étonnez, quand il y a un pote à moi et prend mon téléphone, je stresse.
Bien sûr, je stresse. Vous avez vu ce qui s'est passé? Bref, en tout cas, moi, j'attends de voir la suite. J'aime trop.